Et bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Beyond Gaming, le numéro 62. Nous allons parler Shoot'em Up, toujours dans le cadre du East IGT 2012 qui s'est déroulé grosso modo sur le mois d'août. Et bien nous sommes en troisième semaine et je vais vous proposer le jeu Salamander 2. Donc, un jeu de Konami qui est sorti en 1996, tout d'abord en janvier sur bande d'arcade, et puis qui a eu droit à quelques portages sur console, notamment sur Sega Saturn le 19 juin 1996, sur PlayStation le 6 juillet 1997, et il est également sorti beaucoup plus tard, en fait, sur PSP en 2007. Alors c'est un... bien sûr, il fait suite à Salamander, premier du nom, toujours de chez Konami. C'est un Gradius-like, parce que il va fonctionner avec le système de power-up, même si il a quelques subtilités, quelques changements, et par rapport à son prédécesseur et par rapport à Gradius. Et donc, on va voir un petit peu tout de suite comment le jeu se joue. Donc sur deux boutons, tout simplement. Un premier bouton, donc le shot. Alors il faudra tapoter pour avoir un tir continu. Bon, certaines options vous permettront d'avoir un tir continu quand vous maintenez ce bouton A. Et un bouton B, première nouveauté qui va vous permettre d'utiliser une homing attaque assez puissante et qui sera en fait un sacrifice des options que vous allez pouvoir récupérer dans le jeu. Vous pouvez choisir deux vaisseaux. Vous pouvez jouer soit en player 1, soit en player 2. Et quand vous jouez en player 1, vous aurez le Big Viper. Quand vous aurez en player 2, vous aurez le Super Cobra. Vous pouvez aussi également jouer à deux simultanément. Le jeu est composé de loops, de 6 stages. D'accord, pas de système de loop infini. Et là, le replay que je vous propose, c'est celui d'un joueur qui s'appelle Bert Knuckle Roux, qui est arrivé 12e donc lors de ce STGT pour cette semaine en fait. Donc c'était au mois d'août, j'ai dû vous noter la date. Donc grosso modo, ça s'est déroulé du 13 au 20 août sur cette semaine-là. Donc les joueurs devaient fournir le meilleur score. Alors, on voit tout de suite que le jeu a démarré. Donc bien sûr, les règles, c'était en un seul crédit. Ils avaient le droit éventuellement d'utiliser un auto-fire. Mais le but, c'est le 1cc, celui qui fait le plus gros score. Alors, on voit que le joueur a récupéré des options, en fait, ce qu'ils appellent des graines. Là, vous voyez, ce sont des orbes un petit peu rouges qui vont venir donc augmenter la puissance de tir de votre vaisseau, puisque vous voyez tout de suite que adieu la barre de sélection des power-ups, c'est-à-dire que vous allez être complètement dépendant des items relâchés par les ennemis, des power-ups lootés par les ennemis. Et vous voyez, voilà, vous pouvez récupérer ces fameux modules. Là, il y a différentes couleurs et donc ça augmentera suivant les options que vous allez récupérer, votre vitesse, votre puissance, vous donnez, voyez, un petit module. Donc on voit, il y a des grandes graines, des petites graines, et ça vous permet d'avoir des modules. Il faut deux petites graines pour avoir un gros module, si je dis pas trop d'annerie. Vous pouvez en avoir qu'un maximum 4. Alors on voit que ces petits modules peuvent eux-mêmes tirer. Donc ils vont vraiment être très très essentiels. Alors là on voit un passage là où il faut faire attention au décor, shoot à l'ancienne. Et en parlant de shoot à l'ancienne, alors le jeu là pour le moment vous avez l'impression que c'est un horizontal. Et vous allez voir qu'en fait ce jeu propose la particularité d'avoir un scrolling aussi vertical. Donc il va alterner, le jeu va alterner entre ces différents scrolling. Affrontement contre le premier boss qui sera repris d'ailleurs dans la... C'est marrant de voir que c'est un boss qui a été repris, si vous connaissez Super Mario Fusion Revival. Donc il a été repris, c'est aussi... bien sûr, on retrouve le golem là qui se fait manger par ce Léviathan. Et on va retrouver certains boss du premier Salamander. Donc, shoot dans la pure tradition même de R-Type, donc de Gradius, même s'il a quelques petites particularités. Il faut faire attention à l'attaque, vous avez vu que le Léviathan se désarticule, élongation cérébrale des vertèbres, vertébrales, regardez, pour venir vous attaquer. Donc, c'est un shoot à l'ancienne, je disais, il faut vraiment connaître. Alors, c'est difficile dans la mesure où c'est quasi du par cœur, parce qu'il y a vraiment des endroits où où vous êtes obligé de vous faire avoir, parce que vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer. Et même si vous avez pris suffisamment d'options et que le vaisseau est très très réactif, si vous avez pris des speed up alors qu'on attaque le stage 2, et vous voyez, on passe en vertical après avoir donc fait un stage 1
en horizontal. Voilà, le jeu devient un véritable vertical et ça va arriver très très vite. Et vous devez connaître. Et en plus, alors même s'il y a des petits avantages, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous reprenez exactement à l'endroit où vous êtes mort. Un peu comme sur les Danmaku actuels, si on compare à Shade Cave. Vous ne revenez pas en arrière. Par contre, il faut récupérer vos modules. Et bon, l'idée, vous voyez, il y a ces 4 modules, il est puissant. En plus, ils ont des lasers, il y a des petits missiles. Et alors, il faut faire attention à pas de se faire piéger par on sait pas quoi, là, ces espèces de boules avec une pièce centrale sphérique, on sait pas trop ce que c'est, une sorte de Pokéball là, enfin bon, en tout cas des petites planètes, des petits satellites, en tout cas il faut pas se faire c'est magnifique, en plus ça crache des flammes. Le jeu aussi a la particularité de présenter quelques éléments 3D hein, dans un gameplay qui est pourtant totalement 2D. Alors on pourrait parler de 2,5D, à l'époque on n'employait pas ce terme. Mais il y a quelques éléments. Et c'est vrai qu'en parlant, c'est en parlant technique aussi, hein, pour les puristes, le jeu tournait sur système Konami GX, hein, JX, en termes d'hardware. Je ne l'ai pas précisé. On voit un magnifique effet de flamme, là, d'ailleurs, hein, au passage. Donc là, on joue, bien sûr, le joueur joue sur une version arcade émulée, hein, forcément. Enfin, forcément. C'est que disons que pour proposer sa vidéo, c'est un petit peu plus facile. Non, mais il le dit lui-même, hein, donc il a joué sur MAME. On voit qu'il a déjà obtenu la première extend. Il vient juste de l'obtenir puisqu'elle est à 200 000 points. Et il y en a une autre à 500 000 points alors qu'il va affronter le deuxième boss. Hein, qui lui aussi, donc après le Brain Golem du premier niveau, et ben Tetran du second niveau. Donc le deuxième boss est lui aussi fait hommage à Salamander premier du nom. Ah oui, il faut faire attention, là c'est pareil, il vaut mieux pas se tenir trop en dessous parce que vous avez des sortes de dragons là, vous voyez, qui viennent vous tirer dessus, et le mieux c'est de se décaler, de tirer avec vos modules, hein. Vous pouvez bien évidemment milquer, hein, dans ce jeu il y a plein d'endroits, alors vous pouvez milquer les boss, hein. Alors c'est détruire, alors est-ce que c'est vraiment milquer? Pas vraiment tout à fait, parce que c'est des parties que vous êtes un petit peu obligé de détruire. Là, vous êtes obligé de détruire tous les dragons, vous voyez, pour détruire le boss. Mais il y a un endroit, en fait, où il y aura vraiment dans le niveau du Lich King. Je sais pas si ce joueur va l'employer. Je crois que c'est dans le stage 3 ou 4, je me souviens plus. Très bien. Et en fait, vous pouvez vous tenir un petit peu en bas. Et il y a moyen vraiment de gagner beaucoup, beaucoup de points en tirant de façon continue. Alors, voilà, il y a différentes options. Là, hein, certainement pour Missile. Ça fait aussi beaucoup penser. Hein, là, vous voyez, moi, ça me fait penser à R-Type, là. Ce niveau là forcément, vous savez que j'ai fait mes débuts sur R-Type, et donc quand je vois ça, ça m'y fait tout de suite penser. Alors là on voit qu'il est quand même surarmé, hein, qu'il a un tir qui est double, donc en plus ses petites options qui tirent aussi, il a des petits missiles qui partent. Et c'est toujours plus facile. Alors là, une petite entrée à détruire pour pouvoir passer, hein, parce que les décors sont vos ennemis, hein, ça c'est aussi quelque chose de classique dans les shoots à l'ancienne, hein, dans les méthodiques ou les memorizing. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Enfin, je parle un petit peu plus français. Regardez, là, il faut faire passer, mais justement, là, pour illustrer ça, ce petit passage là où il y a le décor qui se resserre, vous avez un petit espace, donc il faut attendre, connaître le timing et s'immiscer. Surtout que, bon, Lightbox, hein, elle est pas très très permissive. Elle fait quasi le sprite de votre vaisseau, si c'est même. Enfin, bon, j'ai un petit peu donc joué au jeu pour préparer cette émission, et moi j'ai l'impression que ne serait-ce que quand vous frôlez, hein, vous êtes tout de suite touché, donc il n'y a pas d'histoire de masque de collision réduit par rapport au sprite de votre vaisseau. Là c'est clairement à l'ancienne, il y a très peu de passages, et vous voyez, pourtant c'est très très chargé. On parlait pas de Danmaku, hein, mais bon, pourtant il y avait déjà quelques exemplaires qui traînaient, on va dire début des années 90, c'est les prémices, on est en 96, donc il y avait quand même des inspirations ou des jeux qui étaient fortement, on va dire, fortement équipé en termes de tir d'ennemis. Voilà, c'est ce passage là où on peut un petit peu litcher, ça va monter très vite, on va tirer contre une des parois, alors sans haut, sans en bas, et là il va se mettre ici. Alors c'est que le joueur que j'avais vu qui faisait un super play se mettait en bas, et ça lui permettait de ne jamais avoir à bouger, et il était jamais inquiété par les tirs. Voilà, et là ça vous permet, regardez comment les points montent là, donc un petit passage où on peut un petit peu litcher, parce que c'est pas vraiment du milk, voilà, et ça va détruire le boss, parce que c'est pas différentes parties, vous savez, parce que normalement milker c'est vraiment différentes parties. Ouais, faire attention à cette petite partie qui a été relâchée là, qui, regardez, qui vous inonde de tirs un petit peu circulaires là, qui vous force un petit peu à l'utilisation de looming attack pour essayer de détruire cet ennemi très très rapidement. Oui, donc normalement milking c'est vraiment des parties qu'il faut détruire, mais si vous les détruisez pas toutes, vous pouvez quand même passer à l'étape suivante. Vous voyez, c'est normalement c'est plus ça. Bon, l'idée de milker, hein, c'est l'idée de faire des points, hein, c'est vrai. Et on va plutôt parler de milk sur les boss et de leeching en stage. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu une étape
quasi obligatoire, parce que sinon, vous, à un moment, vous n'arriverez pas à détruire le boss. Allez, stage suivant, donc je sais plus à quel stage on est rendu, hein, comme toujours, c'est peu importe, hein, de toute façon, donc le joueur a continué. Alors, ça se passe plus, eh bien, dans... dans l'espace, alors qu'on était dans des niveaux qui étaient plutôt organiques juste ici, là, jusqu'ici, et là, vous voyez, on est plutôt façon space opéra. Voilà, on passe devant, on sait pas, une masse, alors une quelconque, un soleil quelconque, une planète quelconque, qui est entourée de bon nombre de vaisseaux. De toute façon, hein, l'idée, c'est d'aller dérailler tout ce qui va, bouger. Alors le premier Salamander, avait été localisé sous le nom de Life Force, hein, aux États-Unis. Il y a aussi d'ailleurs une version de Life Force qui est sortie au Japon et qui avait plus, qui avait en fait des power-up version Gradius. Donc c'était aussi assez marrant. De voir ça. Donc l'histoire, bah, c'est qu'il faut aller dérailler tout ce qui bouge, hein, comme d'habitude, ne rien laisser. Et voilà, attention, là c'est un passage où là vous êtes obligé de suivre le mouvement. Vous êtes pris au piège et en sandwich entre deux vaisseaux. Alors faut faire attention parce qu'il y a des petits ennemis qui apparaissent, qui vous tirent dessus. Il y a, vous avez vu des endroits où il y a des éléments, des vaisseaux qui viennent, qui se rapprochent de vous, donc il faut faire vraiment attention de ne pas les toucher. Voilà, on voit les petites graines qu'on va venir pouvoir prendre. Bon, il a déjà ses options au maximum. Je pense que ça lui octroie peut-être encore un peu plus, surtout peut-être un petit bonus de points, certainement. J'ai pas vérifié, faudrait que je regarde d'ailleurs au passage quand il prend ses petites graines à ses orbes, si ça lui permet de prendre quelques points au passage. Voilà, il a collé, ça a été très très vite. Alors aussi c'est assez marrant, il y a certains endroits où il n'y a pas de chip damage, c'est-à-dire que vous êtes vraiment obligé de quasiment détruire. Sur les boss, on a vu tout à l'heure que quand il lui tirait dessus, le score augmentait, mais il y a d'autres boss sur lesquels il faut vraiment détruire des parties pour obtenir des points. Alors là, un niveau aussi qui est assez difficile et assez piégeux, parce que vous voyez, donc vous avez... Alors je ne sais pas si c'est des astéroïdes, je vais appeler ça des astéroïdes, c'est peut-être pas le bon terme. Peu importe, en tout cas, ces masses rocheuses à détruire et qui se séparent en d'autres masses rocheuses. Et il vaut mieux pas se tenir à proximité, hein, parce que voilà, vous êtes proche, vous pensez l'avoir détruit, mais elle se décompose en 4 autres roches. Et donc forcément, vous risquez de mourir. Voilà, l'utilisation de façon précautionneuse de son Nomming Attack, histoire un petit peu de nettoyer l'écran. Alors, la particularité de Nomming Attack, oui, parce que je crois que j'ai oublié de vous le dire. En fait... ça va consommer vos options, c'est-à-dire que au bout d'un moment, utiliser les Nomming Attack, ça va avoir un impact parce que ça va sacrifier vos options. Voilà, c'est l'idée. Donc techniquement, c'est infini tant que vous avez des options. Hein. Voilà, donc cette Nomming Attack est une arme qui fait un trade-off, hein, c'est-à-dire que vous allez sacrifier quelque chose pour avoir un avantage. Et bien, ça va vous coûter un petit peu. Voilà, donc là, il faut faire attention aussi, passage où il faut bien penser à détruire et pas trop avancer son vaisseau parce qu'ils arrivent de façon alignée. Alors, il y a beaucoup de ces petits vaisseaux qui arrivent très très vite, façon quasiment kamikaze, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent directement de vous rentrer dedans. Vous voyez, voilà, ceci qui, et ça va très très vite, hein, donc c'est en ça qu'il faut connaître, parce que vous voyez, si vous ne connaissez pas, vous êtes forcément piégé, vous allez mourir, hein, de votre mort. Et donc c'est vrai que si on connaît pas, voilà, c'est toujours le problème de ces jeux. Et pour c'est pourquoi aussi pour beaucoup certains n'accrochent pas, c'est parce que justement si vous n'êtes pas attiré par l'ambiance, par les musiques, eh bien les morts vont être douloureuses, stressantes, énervantes et au final repoussantes, et vous ne collerez pas le jeu, vous n'essayerez même pas de terminer le premier loop du jeu, hein, puisqu'il est composé de deux loops, je le rappelle. Avec une difficulté qui augmente sévèrement. Alors là, on voit en plus, hein, que c'est pas toujours évident. Il faut bien faire la part des choses entre ces missiles, les tirs ennemis. Et c'est vrai que c'est relativement aisé de rentrer soit dans un décor, soit de faire une confusion entre les tirs ennemis et les vôtres. Et en tout cas, avoir un petit peu l'esprit brouillé. Alors pareil, il faut pas confondre ces espèces de petits cristaux. Ce sont des tirs, là. Espèces de petits losanges qui vous tombent dessus. Ce sont pas des options, hein. Au début, on peut se faire un petit peu avoir. Ce sont bien des tirs. Là, on a vu... des espèces de masques grises. Voilà, là on en voit passer une, et ça c'est un tir, hein, ce petit losange, hein,
Il faut faire attention. Allez, de nouveau, un passage pour du. Après ce passage horizontal, le passage en vertical. Alors là aussi, relativement piégeux. Il va y avoir beaucoup là de ces cristaux bleus qui vont vous tomber dessus. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir vraiment des phases où il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que c'est vraiment difficile de ne pas se faire voir. Alors on voit aussi qu'il a dû, il a perdu une petite vie au passage, mais qu'il a récupéré l'extens, ce qui fait qu'il est toujours à 3 vies, alors que normalement il devrait être à 4 vies puisqu'il est rendu à 500 000 points. C'est déjà bien ce qu'il fait, hein, parce qu'on va voir hein, que les derniers stages, stage 5, stage 6, et l'affrontement contre le boss. Et pour voir qu'on est que dans le premier loop, ça devient très très vite dur. Et bon, bah, il faut vraiment essuyer le jeu, hein, torcher un maximum de run pour connaître toutes les phases, savoir où vous pouvez aller, savoir utiliser, hein, maximiser l'utilisation de vos options, bien évidemment, parce que. Vous voyez, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, quand vous vous déplacez, alors là, on le voit très bien dans cette phase verticale. Eh bien, elle se déplace de façon d'une traînée et vous voyez que vous pouvez donc réussir à tirer quasiment sur toute la moitié de l'écran. Et donc, ça permet de bien tout nettoyer, hein, voilà, de bien enlever la plaque dentaire, c'est important. Et comme ça, eh bien, ça vous permet d'aller toujours plus loin dans le jeu. Hein, donc, c'est vraiment, vraiment essentiel de bien gérer ces options. On voit d'ailleurs que les options, là, on a... Dans les déplacements, on a l'impression qu'elles sont quasi doubles. Hein. C'est assez marrant. Un petit effet optique comme ça. Voilà. Alors là, un passage où il vaut mieux coller vers le haut et étendre au maximum donc, de toute la surface que l'on peut ces modules pour avoir le maximum de champ pour pouvoir tirer. C'est-à-dire d'avoir une zone où vous allez tirer la plus grande possible, histoire de vous retrouver en position sûre. Et on va voilà, affronter le boss, donc certainement du stage 5. Alors là, il faut faire attention, c'est pareil, il y a des petites rangées de laser, voilà, il se fait avoir, hein. C'est vraiment pas évident là de pas se faire avoir, donc c'est pareil, là, moi, sur la phase de jeu, alors bien sûr, je suis pas arrivé en un seul crédit, hein, j'ai testé comme un noob le jeu, hein, parce que je voulais un petit peu voir tous les niveaux pour me rendre compte de la maniabilité des choses là. Bon, le truc, c'est de se tenir sur les côtés, de faire tirer vos modules, pour histoire d'avoir une petite marge de manœuvre suffisante quand on connaît pas trop le pattern, c'est comme ça que moi je l'ai passé personnellement, parce que au moins, je me mettais dans un coin, et puis j'attendais. Hein, que ça tire un petit peu, je faisais, avait plus que quelques tirs à éviter parce que comme je ne connaissais pas la phase des lasers là, je voulais pas trop aller au milieu où je voyais que ça se croisait beaucoup hein, parce que vous voyez, bon voilà, une fois qu'il a détruit les deux parties extérieures, ça devient un petit peu plus respirable. Et donc ça va lui permettre d'essayer de se concentrer, mais il faut voir, vous voyez, il y a des salves de 4 tirs, des lasers verts, des lasers continus jaunes, des petits tirs, voilà, ça y est, on est venu à bout, mais on a très très vite fait de se faire avoir, et c'est relativement normal, hein, parce que voilà, il faut connaître, hein, c'est comme dans R-Type, si vous connaissez pas, c'est la mort, vous faites taper sur les doigts, hein, et voilà, on va arriver, alors une petite phase, voilà, ça y est, on arrive dans l'affrontement final, et une petite phase où il faut connaître son chemin, voilà, ça fait penser à Yonhead, mais voilà, c'est une phase où il faut tout simplement éviter, comme presque dans un jeu de course, sans toucher les bords, un petit peu une phase à la Wipeout, là, et en connaissant, et l'affrontement contre le boss final, donc... C'est parti. Donc c'est vrai qu'il y en a qui considèrent peut-être pas ça tout à fait comme un stage. Alors c'est marrant parce que j'ai vu qu'il y en a qui sur YouTube ils appelaient la phase contre le boss le stage 7. J'ai pas tout compris. Donc bon, alors pourtant, d'après ce que j'ai compris, il y avait que 6 stages. Bon, peut-être pas évident forcément de compter tous les niveaux, tellement ça va vite, hein, il y a peu de temps mort entre. Et alors là c'est pareil, vous allez voir la difficulté, voilà, alors, cette petite rangée de tir. Alors quand on connaît, ça va, ouais, il suffit de se décaler légèrement soit à droite, soit à gauche, mais il faut quand même faire un petit peu attention. Mais surtout, vous voyez, c'est qu'il y a d'autres petits tirs jaunes. Tout petits qui vont venir s'ajouter à ça. Alors il faut éviter voilà les espèces de tirs verdâtres là, sorte de traînées verdâtres. Vous voyez, donc il faut légèrement se déplacer. Alors on peut un petit peu balayer l'écran. Certains joueurs utilisent ça, ils se mettent soit complètement à gauche, soit complètement à droite, et ils font balayer l'écran. Et alors là, cette phase où il faut éviter ces disques là, c'est relativement. Il s'en sort bien, il tire même pas en plus. Il l'économise un petit peu là, de façon assez surprenante. Là, il le gère très très bien, parce que je peux vous croire que c'est vraiment pas évident quand vous connaissez pas. Voilà, on balaye légèrement son écran. Donc vous voyez, hein, c'est un jeu quand même qui va demander bien des grosses phases.
d'esquive, et on voit que c'est quand même très très rempli à l'écran. Peu de bullet herding, hein, au final, voilà, il va utiliser son omni attack pour essayer d'en finir. Ça y est, c'est la fin, donc il va passer au second loop avec quasi 800 000 points, hein, et voilà, vous avez donc la fin du jeu, et vous avez les crédits, et dès que vous appuyez sur le bouton de tir, et bien vous passez directement... Eh bien, alors que je m'étrangle, eh bien vous passez directement à la deuxième loop, hein, comme ça, on vous prévient pas, vous pensez que vous avez fini le jeu, quand vous appuyez, vous vous rendez compte que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Alors ça va se densifier en termes de tir, là il y a toujours cette espèce de reptile tout bizarre là à éviter, pour pouvoir eh bien continuer, hein, voilà, progresser, détruire les petits ennemis, et on va voir, hein, que ça va devenir de plus en plus dur. Alors il faut dire que c'était pas déjà, tant qu'on y est, parce que j'ai le temps un petit peu d'en parler, c'est vrai que je vous ai dit quasi l'essentiel sur le jeu, hein, parce que bon, c'est surtout le plaisir de passer 30 minutes ensemble en regardant un jeu peut-être que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas forcément joué, peut-être que vous avez beaucoup écumé, et de le voir dans le cadre de ce tournoi, c'est relativement sympa. C'est que oui, là, pour tout vous dire, je n'avais pas choisi au début ce replay, puis à force de fouiller, j'ai trouvé ce joueur qui avait mis son replay, parce que je cherchais donc un replay sur le jeu, mais bien sûr qui corresponde au STJT 2012. Et en fait, au début, j'allais vous proposer le run qu'avait mis Smirdis, là je n'arrive jamais, SMRidis, je sais jamais comment on le prononce, là assez dur de prononcer son pseudo, qui avait mis des vidéos, mais en fait il a proposé, bon déjà il a fini 20ème de l'event, et enfin sur cette semaine là et donc ce joueur a été un peu plus loin, et quand j'ai découvert ce run là, je me suis dit il faut que je vous propose celui-ci, mais au début c'était pas tout à fait celui qui était prévu. Alors faut savoir que ce Smirdis, hein, c'est un gros joueur, Smirdis, hein, c'est très dur à prononcer, hein, SMRidis, je vais dire, c'est plutôt SM, ça me plaît de dire SM. Voilà, là, le golem qui se fait manger, et voilà le Léviathan qui arrive, elle a une grosse fin le Léviathan, hein. Hop, c'est, j'adore le design, hein, de ce premier boss, hein, de ce voilà, de ce boss là vraiment, et puis il recrache plein de petits verres, il faut faire attention. Et donc voilà, oui, pour la chaîne de SMRidis, il présentait, alors il le fait peut-être un peu moins, mais il y avait beaucoup de 1cc, il se filmait lui-même, hein, c'est un gros joueur, hein, il joue à plein de jeux, il est vraiment très fort, hein, un joueur, donc ce qu'on appelle, vous savez, dans les classements western, hein, classement occidental, de l'ouest, comparé au classement asiatique. Fait partie des joueurs qu'il faut connaître, hein. Voilà, il y a Jamers aussi, enfin il y a vraiment des gros joueurs qui sont toujours assez forts. D'ailleurs le premier joueur, il y a aussi Seekraken là, qui a eu, hein, la meilleure performance là, qui est arrivé en tête, hein, avec un score relativement impressionnant de 2 millions de points, hein, c'est vous dire si le joueur est très doué. Allez, donc là le joueur continue sa progression en précision, qu'il arrive au stage 2-2 maintenant. Et vous voyez, là, il y a des boulets de suicide en plus, hein. Enfin, il y a des tirs, on a l'impression que... Alors non, est-ce qu'il les avait tirés avant, hein? C'est pas évident à voir. Non, vraiment, c'est que ça va très vite, il décharge en même temps. C'est pas vraiment des souillissades de boulettes. Voilà, mais là, il faut faire attention. Alors en plus, vous voyez, il y a des tirs supplémentaires, il me semble qu'il n'y avait pas. Vous voyez, ces petits tirs en étoile bleue, là. Qui partent directement sur le joueur. Enfin, directement, qui sont relâchés, là, vous voyez, par moi. Et ça devient, voilà, très vite, et on se fait piéger, c'est bien normal. Parce que là, il y a vraiment des croisements qui sont interdits. Et on a relativement fait de se faire piéger. Alors, ce qui est aussi assez étonnant dans ce jeu-là, c'est que dans ces phases, en fait, on peut balayer tout l'écran. Il se passe encore des choses à droite et à gauche. Je me suis amusé à le faire et j'ai repéré ça. Il y a un niveau aussi, on le voit très bien, même si c'est un niveau horizontal. On peut continuer complètement à descendre. En fait, pourtant, le scrolling, en fait, l'auto-scrolling vous amène... en fait, de la gauche vers la droite, donc à voir ce qu'il y a de plus en plus sur la droite. Mais en fait, vous pouvez descendre et ça fait descendre toute la caméra, si vous voulez. Et donc, vous continuez à voir sur certains niveaux ce qui se passe. C'est magnifique, ces effets. Vraiment, là, c'est relativement beau. Alors, faut faire attention, là, le pot catalytique, quand même, hein, du retour de flamme, là, je ne sais pas, un mauvais cassoulet, très certainement. Donc, il faut faire attention à ces petits relâchements de méthane qui peuvent être qui ont vite fait de vous griller, hein. Alors bon, évidemment, si vous avez un toast à faire, un barbecue, ça va très bien, voilà. Et on affronte le boss du stage 2 avec toujours ces têtes de dragon là qui viennent vous enquiquiner. Voilà, là aussi un petit retour de flamme là, ça crache, hein, ça crache du feu. Et donc alors il a des options qui sont quand même relativement couillules, hein, qui vont attaquer assez sèchement quand même et qui vont lui faire un petit peu de mal. Ouh là, attends, ça s'est passé de justesse là, ces flammes là,
c'est marrant, on a l'impression qu'il était touché, il a réussi à passer in extremis. Peut-être qu'on a un petit peu de marge par rapport à ces flammes là, pourtant ça a pas l'air comme ça, il passe juste entre là, hein. Moi je tenterai pas le diable, voilà, je me mettrai comme ça avec mes options qui tirent tranquillement sur les têtes de dragon, on croise de temps en temps quand il n'y a pas de tir, voilà, une belle utilisation de la homing pour aggraver un petit peu la barre de vie de ce boss, alors barre de vie qui ne sont d'ailleurs pas affichées à l'écran, vous voyez d'ailleurs là il n'y a pas de chip damage, hein, vous voyez, il va avoir des points que quand il va détruire une tête, je pense, voilà, les têtes qui peuvent rentrer, vous avez vu, amovible, hein, magnifique, une sorte de tuyau d'aspirateur qui vous attaque, et donc hein, vous voyez, pas de chip damage, il n'y a pas de points qui sont octroyés là quand vous lui tirez dessus, hein, ça existe, hein, et je joue à l'ancienne, hein, souvent voilà, par contre quand il détruit une tête de dragon, on a vu là, il a augmenté un petit peu ses points, je vais voir quand il prend une option aussi, ouais, quand il prend une option j'ai l'impression aussi, il faut bien que je regarde, j'ai l'impression que il prend un petit peu aussi des points, ouais, alors là on n'a pas eu le temps de voir parce qu'il prend l'option au moment qu'il détruit le boss, hein, exprès, pardon, pour m'embêter. Allez, stage 3, stage 2-3 même, très très organique, hein, ce stage. Voilà, et donc là, avec ces petites bouches aussi, vous avez vu, donc il y a en haut et en bas de l'écran, qui relâchent des séries d'ennemis, il faut faire attention, des petits ennemis aussi qui sont collés sur la paroi, et qui vous tirent dessus. Et donc il faut faire relativement attention, petit effet de gerbe de sang aussi, hein, quand vous détruisez ces lombriques belliqueux, hein, parce qu'ils sont belliqueux, il faut le dire, là, un petit passage, on passe la nuit là, c'est jour, nuit, hein, c'est Jacouille qui touche à l'interrupteur. Un petit speed-up qui a été rapidement pris, on ouvre la porte là, alors... On va pas frapper avant d'entrer, hein, c'est pas le genre là, on a l'air d'être à l'intérieur de choses peu ragoûtantes. Et voilà, ces petites bouches là qui délivrent des ennemis quand vous vous dépêchez de détruire si vous voulez pas être embêté. On voit aussi ces petits canons, hein, qui vous snipe assez rapidement. Là, le petit passage où il faut faire un petit peu attention avec ce resserrement. Et on voit aussi que ça peut vous protéger, hein, d'ailleurs, les modules, hein, ça vous offre une protection vers l'arrière. On n'est pas trop embêté par des choses qui viennent de l'arrière dans ce jeu. Moi, de ce que j'y ai joué, il y a déjà tellement à faire avec ce qui arrive par les côtés, enfin, c'est-à-dire face à votre cockpit, que vous soyez donc en position verticale ou horizontale pour gérer donc tous ces tirs. Ben, il y a déjà, toutes les attaques viennent principalement de là. Heureusement, il n'y a pas trop d'attaques sournoises qui viennent de dos. C'est vraiment des attaques frontales et souvent, ben, vous faites avoir parce que ben, vous connaissez pas. Voilà, il va arriver donc dans cette phase du stage 3 là où il va pouvoir un petit peu, voilà, gratter un petit peu de points parce que je pense qu'il doit détruire, voilà, en fait l'idée c'est de détruire, hein, voyez, les petits ennemis qui sortent de ses bouches là, espèce de, on sait pas trop ce que c'est là, des boulettes, enfin, on veut pas savoir, mais en tout cas qui partent en des petites gerbes de sang, et donc c'est ça, voilà, il a pas fait durer, voyez, donc là il a tout détruit, il a tiré aussi sur la partie un petit peu centrale, alors ça fait énormément penser, hein, bien sûr, là à R-Type, hein, quand il faut envoyer votre module et avec l'œil qui se détache là, tout ça, bon, on n'a pas de module là, on voyait, hein, mais ça y fait quand même, ça fait, il y a quand même des petits clins d'œil, hein, assez évident. Voilà, donc là il faut faire attention, technique, donc on tourne pour être dans le sillon, on va dire safe, entre les tirs qui sont délivrés par cet ennemi, et on peut aller donc vers le stage 4 et passer donc dans une phase, eh bien, où on va se retrouver dans l'espace. Alors attention à ces petits tirs là qui arrivent de manière relativement drue et sournoise, hein, ça arrive très très vite, ouais, c'est là où il faut connaître, hein. Faut vraiment pas se faire avoir. Parce que enfin, faut connaître par cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Je le répète, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de place à l'improvisation. Les musiques, parce que je suis en train de les entendre et les écouter au passage, sont relativement sympas, c'est entraînante. Hein. C'est surtout ça l'important, c'est qu'elles soient entraînantes. Hein. Parce que dès que les musiques, hein, sont molles, mais comment voulez-vous jouer un jeu comme ça quand il y a des musiques molles, hein. Je vais pas reparler de Cinémora, mais enfin voilà. Vous pouvez toujours aller voir ce que j'en ai pensé dans Beyond Gaming, mais un des principaux problèmes, selon moi, de ce jeu, c'est vraiment le fait justement d'avoir des musiques d'ambiance. Alors, combien on peut aimer ce que fait Yamaoka, faut quand même un petit peu relativiser. S'il y a des musiques entraînantes, c'est pas pour rien. Alors, surtout, vous voyez, quand là il y a un rythme assez effréné, ben, on peut se baser justement sur la rythmique de la douce mélopée qui sonne à vos oreilles pour imprimer et pour vous imprimer d'un rythme qui sera, à mon avis, une composante, hein, de votre run, parce que vous allez vous appuyer quand même un petit peu dessus. Hein. C'est pour savoir dans quelle phase, des fois des moments où vous allez attendre, et puis des fois, on essaie de gérer les patterns par rapport à cette rythmique-là. Donc les musiques sont jamais anodines.
Allez, de nouveau cette petite phase de les prises en sandwich là, avec des petits rayons laser assez agressifs, donc vaut mieux se tenir plutôt vers la gauche de l'écran, là il y a largement de quoi passer. Bon, en plus là il n'y a pas trop d'ennemis, en fait il a tellement de puissance aussi que les petits ennemis, s'ils arrivent, vous voyez, ils sont directement morts, parce que il a tellement de puissance là qu'un one shot suffit. Et il récupère quelques petites options. Je pense que c'est volontaire d'ailleurs qu'il ait laissé passer l'option, le speed up. Hein. Il a certainement estimé que son vaisseau était assez rapide, parce que ça peut devenir relativement compliqué d'avoir un speed up. Et voilà, là aussi une phase, hein, vous êtes obligé de suivre la marche tout simplement. Alors, oh là là, alors par contre là ça a été très très vite, hein. Il l'a collé en son sens, il lui a pas laissé le temps, comme il s'est mis directement en cette phase là pour lui tirer dessus. Alors bien sûr, hein, quand vous vous retrouvez à droite, bah, vous pouvez pas tirer sur ce boss là, et donc il arrive, hein, au 2-5, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il va aller, je sais plus, c'est 2-5 ou 2-6, hein, je crois, alors qu'on voit que bon, c'est sa dernière vie. Alors de nouveau il arrive avec cette petite phase. Donc, où il y a toutes ces masses rocheuses à détruire, avec un petit boulot dans le campement. Là, il faut faire attention, prendre son temps, laisser ses petits missiles s'immiscer pour réussir à détruire les canons. Là, faire attention, on a vite fait de perdre une vie. Oh là 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 là, comment c'est dur. Là, vous êtes dans le petit tuyau et en plus, on vous tire dessus. Hein. C'est ouais, c'est relativement difficile. Là, il se dépêche de passer, de détruire rapidement les petits canons. Et voilà, c'est la fin. Ah non, mais alors, c'est l'ouette 2-5. Voilà, je sais plus, les 4 de 5, mais en tout cas, belle performance de Lewis. Il me semble que c'est 2-5, hein, qu'il avait marqué dans son run, bon, peu importe. Voilà, il nous aura fait profiter de ce tournoi et fait passer un agréable moment, hein, avec ce petit run bien sympathique. Voilà, de pratiquement un de loop, un nouveau joueur s'il a pas haulé. Magnifique performance quand on voit que le jeu est dur. Je vous rappelle le nom de ce joueur qui s'appelle Bert Knuckle Roux. Bien sûr, vous pourrez voir son nom dans les informations de la vidéo. Et bien après, donc, ce magnifique run. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter, bah, que du très bon. Rendez-vous pour une prochaine émission, hein, certainement du Tetris. Alors, je tiens aussi à vous signaler que normalement, j'ai au moins un run pour le prochain tour du STGT. Je ne sais pas si j'aurai quelque chose pour le dernier tour, parce qu'en fait, il s'est déroulé sur 5 semaines, a priori, et pas 4 comme je le pensais. Donc, il y a un autre jeu qui a fait partie du rooster de jeux présentés pour ce tournoi. J'espère que j'aurai ce dernier jeu à vous présenter. Sinon, il y a tellement d'actualités, croyez-moi, moi, avec des runs qui fleurissent un peu partout sur YouTube, à vous proposer pour que j'ai du contenu à quasiment l'infini. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce Beyond Gaming numéro 62. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite que du bon. Et donc, comme je dirais, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, bah gaming, allez oui, gaming.